fait une presse conférence, comme je disais, le motif est office, dans nos documents stratégiques de Paris, et là automatiquement nous venons sur la même question. Le but, ça reste présent. C'est pour apporter l'éclaircissement de certains sujets qui sont d'actualité et qui automatiquement peuvent avoir un commentaire qui peut faire, peut-être qui peut prêter à mettre en confusion dans la tête du monde. Comment me dire, depuis qu'il m'a fait une commissaire pour intérim, et nous fûmes prendre serment Socrates comme nous rentrons dans la police, la force radicale, et nous travaillons pour que la justice qui en fait. Et c'est ça nous. Combat contre toute forme de criminalité, de différentes formes, vient le combat de tout bon mauricien, tout bon patriote qui a envie que le pays-là, il y a un pays qui est dans la paix, il y a un pays qui fait bon de vivre. Maintenant, nous venons d'inciter le bon sujet d'actualité. Maintenant, pour commencer, l'enquête judiciaire qui peut faire de la mort de M. Subramanian Kisner. Laisse-moi dire, nous lire le journal, ça qui nous fait sur l'interprétation. Mais laisse-moi dire, c'est une enquête judiciaire qui peut mener en toute indépendance. Au cours d'une enquête judiciaire, toutes les parties concernées je t'appeler à donner l'information. On pose une question, que ce soit pose question à la police, que ce soit le représentant du bureau du DPP pose question à la police, que ce soit les avocats qui sont retenus par les familles, ils nous dévoient pour donner un élément de réponse à cette question-là. Et comment je le trouvais? Ban policier, surtout mon père, ban policier qui finit avec une vol, je t'y amène dans un élément de réponse là. Et laisse-moi assurer, moi, comme commissaire de police, mon fin dit ban là, et mon suivi ça de très près, il ne faut pas cacher aucune information. Il faut nous cacher de l'information. Et c'est ça qui je peux faire. Et mon père encourage, mon bon officier qui peut aller, qui a le dire, à le répondre. Parce que le but, c'est pour la vérité. In the search of truth. Ça même qui nous peut faire. Nous, si nous avons envie de connaître qui est arrivé. Parce qu'il n'y a pas oublié que la police est dans le lieu. Le final de l'ONU, peut-être des ans, cadavres là, c'est là-bas. The elucidation of truth. C'est ça qui nous peut faire. Et nous ne pouvons pas oublier qu'il y a une enquête judiciaire menée en toute indépendance. Sa conclusion, c'est la magistrate qui peut donner. Nous pouvons respecter la conclusion qu'il faut tirer. Et nous ne pouvons pas oublier qu'en parallèle, nous avons une enquête criminelle qui peut amener par la MCID. Je ne sais pas quoi le là, longuement, nous m'en laissons, parce qu'il laisse l'enquête suivre son cours. Et nous pouvons encore, une fois, envie de rassurer la population, surtout les parents du victime, qui nous peut collaborer pleinement et nous peut donner tout élément de réponse. Alors, il ne faut pas être dans l'interprétation, chacun termine sa conclusion, son interprétation. Alors, mon envie de la population, même mon officier qui peut écouter moi, même les avocats qui involent dans sa manifeste, si je peux écouter moi, voilà, mon peut rassurer comme commissaire de police. Mon peut veiller à ce que toute l'information donnée et qui ça roule dans les meilleures conditions et qui nous, si nous connaissons la vérité. Deuxième sujet
c'est l'affaire Telegram, pour moi, je connais, c'était une plateforme. Bon, finalement, ma photo, ma enfant. Nuit, ma madame, ma mademoiselle qui vient publier son chère. Alors là-dedans aussi, la police permet de l'enquête. Et laisse-moi dire l'autre qui nous fait maintenant 6 plaintes qui s'y perdent au niveau du cybercrime. Et nous finissons dans une arrestation qui finit faire. L'enquête est suivie au cours. Et nous finissons dans une discussion avec le ministre honorable Baldobin pour nous dire qu'il manière nous pouvons capables d'améliorer le système, la législation qu'il a, pour qu'il nous capables avec sa vanzor de crime qui est arrivé là, ma défense qui est arrivée là. Il faut que nous mettions un frein. Nous pas oublier qu'il nous chérit nos parents. Oui. Demain, nos propres familles sont capables d'exposer. Alors, encore une fois, on peut rassurer la population. Et la police peut mener sur l'enquête de façon très professionnelle. Et avec une arrestation qui nous est là, tout le monde qui est fauté, nous pas mettre le temps de la justice et de pouvoir être puni par la loi. L'autre affaire, c'est surtout l'enquête qui peut mener à pour Mathurin Rodrigue. Pédopornographie. Nous pouvons connaître Rodrigue Ali Paisible, mais nous ne pouvons pas connaître l'ampleur. Il faut définir ma dénonciation, c'est une affaire que je vais vous dire, qui finit quelques temps de cela, quelques années de cela, je vais dérouler. Et nous pouvons dire que tous les jours, moi-même, avec le DCP Djangui et le responsable à Rodrigue, bah, nous avons fait une case conference, nous avons suivi. D'ailleurs, nous avons mis un officier en quarantaine, nous avons envoyé l'autre Rodrigue. Là, je peux épauler notre confrère dans Rodrigue. Ça va nous bourreau là, pas capable de quitter, oui non. Bah, nos enfants qui peuvent exploiter, bah, nos enfants sans défense. Ça nous montre où NCP. Et qui a été dit, monde, comment la société peut s'en aller, qui a été dit, monde, nous peut faire face. Et moi, mon père, je dis, et mon officier, si vous voulez, nous ne pouvons pas épargner personne. Et l'enquête peut mener d'une façon très professionnelle, mais suivie par moi-même et mon officier, et avec une arrestation qui nous finit, non, prenant en cours, nous pouvons démenter ça et mon pensée. Qui, pas seulement, comment nous pouvons dire, nous pouvons faire l'enquête, oui, nous pouvons mener, mais aussi tout un travail de sensibilisation, d'encadrement, qui vient de faire, nous pouvons travailler avec le ministère concerné, pour nous capables de tout ça dans le support là, mettre un mécanisme pour qu'il s'avance quelque chose comme ça là, pour ne pas répéter. Nous avons aussi une enquête pour ça ces derniers temps, nous attendons que la police n'a pas fait rien sur l'acte de voyeurisme allégué dans les locaux de la FIFA. Mon besoin dit à eux qu'ils nous prennent ça très au sérieux. La police n'a pas fait au milieu là. La police fait faire son travail et déjà 4 préposés finis être interrogés. L'enquête peut suivre ce cours, prenant une arrestation et prenant une poursuite. Ça me donne une garantie que je vais m'occuper avec nous. Moi-même, je peux suivre ça personnellement et dans les jours à venir, je peux même le retour résultat. Nous pouvons anticiper aussi la loi qui existait. Bien renforcer, bien faire l'ICVR, ça aussi nous peut étudier avec le ministère concerné, pour qu'un jour, avant de faire un acte, comme ça, il pense des fois. D'autres affaires qui me sont envie qu'aujourd'hui aussi, c'est l'affaire Britam. Comment je connais, finalement, les conclusions. Être soumis. La police
gagne dossier, ma recommandation, on met une cellule spéciale au Central CID, nous étudier, nous établir un plan de travail, mon besoin de dire, mon filmé de mon officier chevronné, parce qu'il y a une enquête compliquée, de grande envergure, et à ce jour, mon capable de dire que l'enquête est démarrée, nous filmons déjà énormément 5 personnes qui finissent déjà être entendues. Un encours qui peut venir dans les jours à venir, d'après un calendrier qui nous fut établi. Et là aussi, moi, mon président, je fais mon travail d'une façon très impartiale et très professionnelle. Pourquoi une affaire qui a peur tout le monde, c'est le combat contre la drogue. Et moi, je disais, ce n'est pas seulement un combat qui le Premier ministre ou bien le gouvernement est dans leur. Nous aussi, nous, au niveau de la police, on voit tous les parents qui ont dit nous sommes conscients qui dégâts la drogue qui fait dans nos sociétés. Surtout parmi les jeunes. Nous trouvons combien de familles cassées, nous trouvons combien de parents qui souffrent. Alors, nous devons, comme un citoyen, comme un patriote, pour amener un combat sans relâche et sans merci contre Savane Djimouni qui peut promettre Savane. Depuis qu'il m'a fini une commissaire, je ne pouvais. Le reward money, petit bloqué, m'a fini une vraie langue. Sous mon impulsion, je pense qu'il me dégage un dynamisme extraordinaire au niveau du personnel de l'action. Ma nombre d'arrestations, ma nombre de saisies qu'il me fait faire, il faut le connaître. Vous connaissez jour et nuit. Pas plus tard qu'hier, nous finissons 15 arrestations, plus que 50% là-dedans, c'est drug dealing. Imaginez. Si nous laissons aller, qui dégage pour faire la société. Nous finissons dans des 3 jours qui finissent là, au niveau international, plus que 6 arrestations. Mais si passé une vigilance, un officier de l'Axou. Si je ne suis pas si motivé, pourquoi ça se peut pas se foutre? Plus joli là-dedans, c'était un Américain qui finit de traverser la route, mais avec un travail de fourmi qui va officier à Axou, fin faire, fin arrêter la semaine. Ça montrait que nous avons à cœur. Nous avons une zone qui fait nous vient motiver d'autres davantage. Et moi, bien dire, constatation qu'il faut faire, qui le dynamisme qui finit dans, qui nous dégage, et ben, saisie qui finit dans, ben, arrestation qui finit dans, il peut pas être souffrir. Et là, encore une fois, on peut dire, c'est pas juste travail de la police, le combat contre la drogue. Nous avons une population vieillissante. Ça veut dire, nous devons porter une nouvelle qui peut monter. Mais si ça va nous faire la même vie, comme un esclave à l'eau. Alors, on y dévoile toutes les enjeux. Chaque citoyen, on peut dire, si vous avez l'information, qui a envie de dire, moi ou bien mon ban officier, mon bureau ouvert, sans hésitation, à part qui nous donne le numéro 148, moi là, à l'écoute. N'importe qui s'en va. Au contraire, on vient remercier à travers, comme on lit dans l'article qu'ils ont mis, dans l'information qu'ils ont mis, dans certains quartiers, la musique peut ouvrir devant la drogue. Moi, j'ai servi ça pour faire l'opération. Merci encore une fois. Comment me dire, les amis de la presse, c'est quoi, on avait fait un mal bien aimé, mais je fais un beau travail. Je guette ça bien tous les jours et bon, le monsieur l'inspecteur Fouten, voilà l'information qu'ils ont fait. Mal vérifié et nous ferons une action qui vous a. Elle a fait, moi je viens ajouter que, comme commissaire de police, vous connaissez, un beaucoup, avec 40 ans d'expérience qui m'ont aidé. Là, je vais saisir l'occasion, je passe encore une fois un message à mon officier tout confondu, du constable jusqu'au haut gradé. Qui s'enjeu, nous ne pouvons pas faire.
Vous connaissez dans Maurice, nous avons un système qu'on appelle le criminal justice system. La police, le judiciaire, le bureau du DPP, le bar council, tout le monde est dans son rôle, chaque institution est dans son rôle pour jouer. Dans le respect des règles. Et moi, encourage chacun de son rôle et nous bien collaborer. Parce que le but, c'est quoi? Amène le coupable à la justice. Il paye le prix de son crime, de son acte. Et pourquoi nous tous, comme un citoyen consciencieux, comme un citoyen qui nous vient, qui nous donne jeunes éléments, nous donne nos enfants, vivre dans une meilleure condition, évoluer dans un meilleur environnement, il nous devoir comme un patriote. Il nous la met ensemble, nous amène ça dans le combat. Et moi, bien rassuré de toute la population qui nous va là au niveau de la police, nous impartial, nous faire notre travail. Moi-même, mon père, assure moi-même qui nous fait vivre dans l'impartialité avec tout le professionnalisme qui vient et dans le respect des lois et des règles qui est là. Donc, pour une fois, on encourage la population, d'autres qui là vont nous confrères des journalistes. Si je t'ai dans n'importe quelle information, pas hésiter. Bon, pour établir un système de communication qui est capable mensuel, ou bien nous guetter avec moi une idée. Mais sinon, pour une affaire de routine, le press officer, M. Coutain, vous communique aux deux. Et encore une fois, moi, je demande votre collaboration, parce que je trouve beaucoup d'affaires. Vous êtes capable d'attirer l'attention. Et ensemble, on va nous dire, laisse-nous travailler pour une société meilleure. Merci. Merci, mesdames et messieurs. Thank you, sir.